Et salut tout le monde, c'est Burry Days. On se retrouve sur un nouveau jeu. Nouveau jeu que j'attendais depuis très longtemps. Donc, vous pensez ce que je pense, c'est bien Uncharted 4. Donc, c'est parti donc pour le mode histoire. Les options, j'ai déjà tout réglé, donc c'est parti. Donc, nouvelle partie. Et on va jouer en intermédiaire. Et si je crois que c'est trop facile, bah je mettrai en difficile. Voilà. Alors ça, j'ai déjà fait, je m'en fous. On verra ça plus tard. Donc c'est parti. Oh, à l'ancienne. J'ai la play qui chauffe là. Ça va pas exploser. Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. Henry Avery, 1694. Fais péter le trésor. Oh shit! Goodbye! Ok. C'était fait exprès ça, non? Ouais. Oh shit. Oh. Super. Oh, wait, chat. C'est magnifique. Sam, comment va ça?
sont sérieux là? Putain, c'est pas vrai! Bon, par contre, j'ai pas mis la mise auto. Hein. Je me débrouille. Il faut aller où là? Oh, 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 oh. Oh shit! Il y avait un gros bateau. What? Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Oh, il a un frère, moi je savais même pas. Ah d'accord, en fait, celui qui était sur le bateau tout à l'heure, c'était lui, en fait. C'était son frère. Ok, bro. Alors, je ne vais pas aller tout droit. L'appel de l'aventure. Ok. The... Quoi? The Lure? Attends, ouais, bah c'est... Ok. Alors, d'abord, on va aller un peu fouiller, là, la chambre. Parce que je suis pas sûr qu'on peut revenir après, donc est-ce qu'il y a toujours les trésors et trucs comme ça? Je pense que oui, c'est du Uncharted quand même, donc je pense que wow, on va faire, de toute façon on va faire le jeu tranquille, hein. Pas se presser, on a le temps, on va fouiller partout. Ouais, je pense qu'il n'y a rien du tout. De toute façon, si c'est comme dans les autres, normalement ça devrait faire un petit comment dire, ça devrait briller un petit peu comme ça. Ouais, je te vois. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut s'accrocher comme le Nathan Drake le grand Nathan Drake? Je pense que oui, quand même un petit peu quand même. On grimpe et on fait le tour. Ok. Wow. Trop glissant. Ouais. Ah. J'aime. À première vue, il est quand même... il est pas mal quand même. Des beaux graphismes. Les cinématiques sont pas mal aussi. L'assistance avec Amélie, c'est une option. Ouais, moi je m'en fous de ça, je crois. Pour l'instant, ça ne m'intéresse point.
Ok, je peux aller dans les chambres et tout. À mon avis, je suis obligé de toute façon. Je crois que je peux pas descendre. Ok. Ok, il faut que je sois discret. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des trésors? Petit trésor, où es-tu? Ouais. C'est quand même bien fait. Hein. Bon, apparemment, il n'y a rien ici. Ok, donc on bouge. En espérant croiser personne. Si on doit faire mode discret, voilà quoi. Oula. Ah bah ouais. Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler demain matin. D'accord? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Alors, on ferme les portes des R-Swan normalement. Qui sont de principe. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'arrive pas à le prendre? Ah ouais. C'est mon dossier. Lire, ranger, faire pivoter. Ok, bah on va le zoomer déjà. Bon, je connais pas tout à fait l'anglais donc. Oh, une suspension de 4 jours de l'école. Oh putain. Une conférence avec l'étudiant. Oh putain. Il perd tous ses privilèges. Ah, super. Langage abusif, fighting, physical. Ok. Il se fight quoi. Cool. Enfin cool. Voilà quoi. Bon du coup j'imagine que je peux pas aller là. Et si je joue pas un trésor, attends. Je vais quand même prendre le risque. Faut que j'atteigne cette fenêtre. Ah ouais? Ah donc il faut que je vais quand même là-haut en fait. Allez. D'accord. Je vais pas rester là. Bon, je pense pas qu'il y ait des trésors de toute façon ici. Hein. Sinon, j'aurais su. Non, il y a personne. Regarde les petits oiseaux qui volent dans les airs. J'arrive, mon père. Bah, il est où, lui? On voit même pas. Ok, il est dans l'autre pièce, quoi. Ok, bon, ben. Je pense que je peux y aller. Hein. Allez, c'est parti. Attends! Je crois avoir un truc briller, là. Ah non, merde, c'est le feu! Allez, on se casse. Alors, roll back! Après je vais où? Non, je vais faire un méga saut là, c'est ça? Méga saut! Ok, tout va bien. J'ai envie. Putain, déjà à son âge, je fais des trucs comme ça. Oh, putain.
Il doit avoir quoi là? Plus très loin. 15 ans? Qu'est-ce que c'est? Ouh là là. Oh là là, oh là là. T'es limite. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Joli saut. Allez, allez, donne-moi ta main. Ok, j'arrive. Attends, non, enfin, attends, faut que je fouille d'abord. Ça m'intrigue qu'il n'y a pas de trésor là. C'est intriguant. C'est en même temps c'est stressant aussi. Bon, si j'en loupe, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est que des trésors. Léger. La sœur te donne pas à manger ou quoi? Personne là-dedans. Qu'est-ce qui s'est tous passé? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais. Il s'en souvient, donc ça veut dire qu'il était déjà là-dedans. Ok. Et comment va le père de fille? C'est bien seul et tombant dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je vais pas me sentir. Par là. Ah ouais. Toi t'es comme ça. C'était fastoche. Ouais, bah ouais. Mais non, mais il monte. Merde. Tu l'as pas bloqué? Bah, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. Regarde ça. Waouh. Et maintenant, on prend la voie des airs. Oh. T'as déjà fait ça avant? Une ou deux fois. Une ou deux fois. Allez, viens. Ok. À ton tour. Non mais putain. En fait, tu peux pas bouger le gars en même temps bouger la caméra, sinon ça fait n'importe quoi. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille? Cristal? Non mais tu passes par où toi? En ce moment, c'est pas le temps. C'est pas grave quoi. Ouais. En ce moment, j'ai pas le temps. Normal. Et après? Ah, t'as descendu comme ça. Ok. Oh, chiotte les balançoires. Les toits, c'est beaucoup mieux. Sans danger. Pas de gloire sans danger. Ok. Oh, shit. Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. Allez, Nathan. Ok, j'arrive. Je dois pas y penser, ok. Yeah! Je te tiens. Tu vois? C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Reste avec moi.
Il n'y a que le cœur qui a failli lâcher, mais sinon tout va bien. Ah ouais. Non mais on est en mode... Ça t'a plu, hein ? Ouais, carrément. Carrément. Juste derrière toi. Un gros baiser de la tête. Attention, va falloir sauter. Ok. Ouais, je suis prêt. Ouais, vas-y, passe devant. Oh là là, ah. Eh oui, parce qu'en vrai, en fait, Nathan, c'est un robot. Il est mort lors d'une chute quand il était jeune. Ok, bon, je fais pas je fais pas le cri cette fois-ci, hein, parce que je crois qu'en fait, je fais de la merde. Mais en fait, je dois passer par où ? Par là ou par là ? Je crois que c'est plutôt là-haut. Bon, ça m'a l'air haut, ça m'a l'air loin quand même. Oh, et puis si je me loupe encore une fois, tant pis. Hein. Je pense que c'est en face qu'il faut sauter, parce que... Bon, t'es prêt Tarzan 3 ? Ouais, vas-y, passe devant. Ouais, bah oui. En même temps, ça me paraît logique, quoi. Et tu fais quoi là ? Ok, je croyais qu'il redescendait. C'est sûr que comme ça, c'est un peu plus facile, hein. Moi, je me suis un peu compliqué la tâche. Voilà. Allez, vas-y, grimpe au clocher. Bon, on va bientôt arrêter cette vidéo. Parce que ça va faire... Monsieur ? Pourquoi tu peux pas sauter, là ? Ou alors ? Arrive pas ou quoi ? Faut que je passe autre part ou quoi? Ouais. C'est ce que je pensais. Oula. C'est un peu vieillot tout ça. Hein. Bon bah c'est une cinématique, on s'arrêtera sur la cinématique. Ouais. Pas mal. Non bah on va s'arrêter là. Donc ben voilà, c'est la fin de la première vidéo sur Uncharted 4. Shave End, oui c'est ça. Voilà. Donc ben j'espère que vous a plu. Moi pour l'instant j'aime bien. Enfin en même temps c'est du Uncharted. Et ben on se retrouvera donc pour la deuxième vidéo. Donc d'ici là portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.